Louise est poétesse, romancière, traductrice. Elle a 3 nationalités, tunisienne, algérienne, française. Elle a aussi vécu en Allemagne, elle vit maintenant en France. Et je vais porter ses écrits à la scène dans un spectacle musical qui va s'appeler Pourpre et dont les compositions seront écrites par Camilla Joubran. Camilla Joubran qui m'accompagnera sur scène au oud et au chant. Dans Pourpre, nous passerons du conte au récit, du récit au poème, du poème au chant, et nous nous jouerons des cadres et des couleurs. Donc, j'aurais voulu être un escargot, soit la bise donne la parole à une jeune narratrice qui a vécu d'extrême violence et qui refuse de prononcer le mot « violet » parce que ça la ramène à ce vécu douloureux. Elle préfère dire « pourpre » à la place. Et « pourpre » me ramène à la couleur pourpre, le roman d'Alice Walker dans lequel une africaine-américaine lutte contre différents types d'oppression, raciste, sexiste, et trouve sa voix, se révèle à elle-même. Et c'est ce que les écrits de Swadla Biz permettent. Il y a une telle transgression de frontières, autant dans la pensée, dans la forme d'écriture, dans cette présence de l'arabe dans le français, que ça permet de s'y projeter, de rentrer vraiment en dialogue avec elle, avec l'autrice. Pourpre, c'est pas non plus une couleur, c'est un éventail, c'est un nuancier de couleurs qui se déploient, qui se répondent, une couleur va développer la suivante, etc. Et c'est cette constellation de couleurs, de chants, de récits et de musique que je vais porter à la scène dans ce spectacle. يا ليتني لغتي لأعرف ما ثوى في القلب أفصح كل ما عندي يا ليتني